Et bonjour, scrappeur de français tout pays, comment allez-vous? Bon, ben, excusez-moi, mais je ne vous ai pas fait de tuto là pour aujourd'hui. Par contre, bon, je me suis fait un drive, donc je suis allé chez Action. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y a de l'utile, il y a de l'agréable, mais il y a beaucoup d'utile. Voilà. Par contre, une chose, j'ai été voir s'il y avait les blocs. Ah, les blocs, hein, il y en a à Tao. Par contre, celui-là est introuvable. J'ai eu la chance d'en trouver un. Mais en rentrant, la connerie, elle m'a pris. Oui, ben, je l'ai dit. Et je le dirai encore. Il y en a une sur Vinted qui vend celui-là de cette année, le rouge, pour 3 euros. À savoir que Vinted se prend 33 centimes. En plus, donc ça fait 3,33 euros. Quand on compte les frais qu'ils prennent après pour l'expédition, ça fait cher le bloc. Alors moi je vais te dire, cocotte, t'es une belle enfoirée. Parce que bon, moi j'ai la chance d'en avoir eu, mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Voilà. Il y en a, c'est pas arrivé, il y en a, elle n'en trouve pas. C'est, comme on dit, c'est à la quête du Graal. Alors moi je te le dis, t'es une enfoirée. Et j'espère que tes blocs, tu les vendras pas. Parce que les acheter pour les vendre après sur Vinted, non, je suis pas d'accord. Là, c'est un truc. Si tu veux, tu le regardes. S'il te plaît, il te plaît. Mais s'il te plaît pas, tu le prends pas. Voilà. Tu le laisses pour les autres, pour celles qui n'en ont pas eu. Hein? Bon, moi, comme j'ai dit, j'ai la seule chance, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé un de ceux que je voulais. Voilà. C'est celui-là. Si je peux en trouver deux autres, ça m'arrangera. Par contre, moi, j'espère que tu ne les vendras pas, tes blocs. Alors, vous pouvez aller voir sur Vinted, vous faites scrapbooking et vous avez en dessous, vous avez bloc. Et vous allez voir. Vous descendez, puis vous verrez. Voilà. Bon, sur ce, j'ai piqué mon coup de gueule. Ouais, ben, non, non, non. Il y a des moments. Par contre, j'ai découvert des blocs que je ne connaissais pas. Parce que bon, ça date de bien avant que moi j'ai commencé. Mais alors, des blocs qui étaient magnifiques. Là, mais bon, c'est comme je vous dis, toujours pareil. Vinted se prend un petit pourcentage. Plus après les frais d'envoi, ça revient cher le bloc. Alors, qu'on fasse un bénéfice, bon, il valait 1 euro, il valait quand même 1,99 €, ce qui n'est pas excessif. Tu l'aurais mis à la limite 2,50 € histoire de te faire un bénéfice pour te payer l'essence, d'accord? 3 euros, ça fait quand même beaucoup, hein? 3 euros, ça te fait 1,01 €, ça te fait presque un litre de gasoil. Hein? Voilà. Bon, ce qui est dit, maintenant, on n'en parle plus. Moi, je vous montrer ce que je me suis pris. Voilà. Et je vous ai dit, c'est de l'utile. Alors, comme là, je n'ai pas eu le temps de vous faire de tuto, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été malade. Bon, vous le savez, j'ai eu le Covid, j'ai été malade. Donc, j'avais eu une petite. J'ai eu une. J'ai Calendouille. Je me suis trouvé des petites blattes dans la cuisine. Il faut que je me fasse le cellier aussi, que je sorte tout le cellier. Alors pendant 2 jours, là, j'ai remué les meubles, je les ai vidés, je les ai bougés, j'ai nettoyé, j'ai tout, j'ai traité, j'ai mis des pièges et tout ce qui s'ensuit. Et même au piège, même avoir traité, il y en avait deux. Par contre, c'était sous le frigo. Et le frigo, j'ai chié. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Je l'ai fait. Bon, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris du papier adhésif comme ça. Parce que peut-être que je vais me faire quelque chose. Je vais l'ouvrir, je vais vous l'ouvrir, hein, je vais vous le montrer. Hein. C'est façon un petit peu ardoise. C'est du papier adhésif, mais façon ardoise. L'autre, le métallique, je me le garde parce que je veux me refaire mes stickers de ma voiture. Ah oui, parce que c'est moi qui les fais, mes stickers de voiture. Voilà. Et il est collé. Il est collé. Il est collé. Il y a eu ce qui chote. Alors, où c'est qu'il est? Il est là. Je ne voudrais pas l'abîmer parce que j'en ai pris qu'un. Voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. C'est vraiment comme de l'ardoise, vous voyez? Voilà. Et j'ai une table dans ma cuisine, mais elle est un peu grande. Et j'en ai une sur le balcon qui est plus petite. Qui est ronde, mais avec une planche, il suffit que je dévisse avec une planche. Je la mets en ovale, je me la fais un peu ovale et elle ira très bien. Et puis je vais recouvrir avec ça.
te servira de nappe. T'es. Voilà. Hop. Ça, et ça, je l'ai payé. Oh, je sais plus. T'es. Voilà. Ensuite, si, j'ai pris ça. J'ai pris l'eau. Ça, je m'en rappelle, ça valait 4 euros et quelques. J'ai pris ça. Je les ai pris parce qu'il y a des très grands sapins. Et l'an dernier, je me suis fait avoir. Je les ai pas, j'ai pas pu les avoir. Donc, il y en a un très grand. Un moins grand, là. Un moins grand. Parce qu'il y en a deux à peu près de la même hauteur. Après, bon, c'est des petits. Bon, les petits, bon, ça, j'en manque pas. Mais bon, c'était des grands. Je vais avoir besoin des grands pour... surtout du grand pour faire un truc. Ah. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui. Ben justement, heureusement, je mets toutes mes affaires dans des boîtes. Parce que tout ce qui est alimentaire est dans des boîtes. Donc, je me suis pris deux boîtes cuir vert, comme ça, 3 euros et quelques. C'est des 1 litre 8, je crois, cela. 1 litre 8, ouais, parce que les autres, elles sont trop grandes. Voilà, pour me mettre le reste, parce que j'ai pas envie que si encore de ces salves, eh bien, là, ça me rentre dans les trucs. Hein. Oh, la bouffe, au prix où ça coûte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Ah oui, bon, ça, c'est pour nettoyer mon plan de travail, et c'est très bien. J'en ai presque plus. Et il est presque vide, mais ça c'est nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, ça c'est pour mettre sur les fauteuils, les canapés. Enfin, c'est du truc d'ambiance. Hein. Mais bon, avec le chien, moi j'aime bien. J'aime pas que ça sente la canière. Voilà. Bon, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai pris ça, mais ça c'est pour mettre dans le calendrier de l'avent de mon petit-fils. Oui, je l'ai repris violet. Oui, je profite. Ensuite, il y avait ça en promotion. Ah, mais ça va être vite fait, il n'y a pas grand cause. Hein. Il y avait des noix comme ça, là, en promotion, à 1,99€. Un mélange de noix. Et les autres, je les ai finis. Alors, et là, j'en avais plus. Et la dernière fois, quand je suis allée à la Réole, quand je me suis trouvé le bloc, j'ai oublié de m'en prendre. J'étais tellement contente de m'être trouvé ce bloc que... Voilà. Alors j'espère que celles qui n'ont pas pu en avoir, elles vont pouvoir en trouver. Mais un conseil, n'allez pas l'acheter sur Vinted. Hein. Voilà. Donc je me suis pris 3 paquets. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, en promotion encore. Ben, après, c'est fini. Il n'y a plus grand-chose. En promotion... Je me suis repris des comme ça. Oui, j'ai pris des roses. Ben oui, ben, de toute façon, oui. Ma fille va me dire encore, t'as pris du rose, hein? Ben oui, mais j'ai pris du rose. Mais, de toute façon, oui, des fois, du moment que ça me tient chaud aux pieds, moi, je ne me regarde pas les pieds. Quand je marche, je regarde où je mets les pieds, mais je ne me regarde pas les pieds. Hein? Et puis, j'ai repris ça. Et là, j'en ai pris. Mais j'ai pris un de chaque, d'ailleurs. Parce que je vous avais dit, il y avait plusieurs couleurs. Et j'ai repris un de chaque. Parce que les autres, ils étaient... J'avais pris deux couleurs. Mais parce que j'en ai besoin pour le... C'est les couleurs que j'ai besoin pour le... Normalement, pour le calendrier de la... Le calendrier, qu'est-ce que je déconne, moi? Ouais, bon, enfin, bon, bref. Ouais, le calendrier de la fin de mon petit-fils. Oui, je suis con, bon, n'importe quoi. Voilà, alors... Mais bon, pour lui, je voulais prendre des... J'ai pris des... Voilà. Ceux-là, ils sont violets, vous voyez. Là, je vous fais voir les couleurs de près, voilà, comme ça. Là, c'est ce que je vous avais dit, c'est un mélange. Celui-là, il est un peu pastel. Il est un peu dans le violet, rose, vieux rose, fuchsia. Ouais, violet foncé, bon, voilà. Et puis, j'en ai pris un comme ça. Pour vous faire voir que... Enfin, pour vous faire voir, de toute façon, ça me servira, moi. Moi, ça, c'est sûr que ça me servira. Voilà. Voilà. Ça, il est comme ça. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Voilà, comme ça, vous le voyez mieux. Voilà. Et alors là, il y a le multicolore. Voilà. Et pareil, oui, là c'est trompeur parce que les hauts sont les mêmes. Mais ça, c'est le multicolore. Donc voilà, je vous le remontre, comme ça. Voilà, attendez, je sors mes doigts de devant, ce serait mieux. Voilà, et puis voilà. Donc, et bien voilà, et bien c'est tout ce que j'ai pris. Mais alors, j'étais en rogne, là, c'est pour ça. Vous pouvez savoir ce que ça m'horripile, moi, ça, c'est...
Les gens qui font ça, qui achètent, et puis qui revendent après sur Vinted à je sais pas combien. Ça, je l'avais dit qu'on allait les voir. Il n'y a pas que ces deux-là. Il y a celle-là qui les vend. Il y en a d'autres qui les vendent. Elles les vendent un peu moins cher. Elles les vendent à 2,50 €. Voilà. Bon, alors après, ça fait moins de trucs pour Vinted. Mais je veux bien, ouais. Mais 3 balles, un bloc. Tu repasseras demain, ta chemise sera prête, hein, au côté. Et comme j'ai dit, hein, je dis, hein, laver, repasser, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, voilà. Bon, de toute façon, je vais essayer là de. Là, je vais me poser 2 minutes. Je remets tout dans le sac. Je vais me poser 2 minutes et je vais essayer de vous en faire une pour demain. Mais là, j'étais tellement rogneux que ça m'a. Oh punaise! J'avais dit que ça y serait sur Vinted. Ah oui. Mais je ne conseille pas de l'acheter là-bas. Hein. Attendez. Quelquefois, d'attendre, regardez. Moi, j'ai attendu, puis j'en ai trouvé un. Ah, mais je n'ai pas trouvé à Marmande, hein, parce que là, c'était Marmande, hein, que je suis allée. Je l'ai trouvé à la rigole. Or, peut-être que j'y reviendrai, je vais voir. Enfin, je ne vais pas aller courir exprès pour un bloc. Hein. Déjà. Il y a les blocs et puis les machines, là. Où c'est que je les ai mis? Ah, ils sont là, ouais. Alors, attendez. J'ai dû les ranger. Ceux de cette année, j'ai dû les ranger. Ouais. Enfin, je crois, non. Je sais plus. Ouais. Ça, bon, ça c'est les miens, mais de l'année dernière. Hein. Je vais pas les vendre, non? Certainement pas. D'ailleurs, je peux vous le dire, ils sont bien de l'année dernière, regardez, 2023. Ça aussi, c'est pareil, c'est vide. C'est vide. Ou ils n'en ont pas reçu beaucoup, ou comme ça, bon, ça, à la limite. Ah oui, il y en a un autre que j'ai vu, qui est vendu à. Bon, mais tu ramasseras après. Attendez, mais non, mais là je voudrais pas ramasser par terre, hein, parce que alors là, je me les a. Celui-là. Celui-là, il est de l'an dernier. Il est vendu à 2,50 € aussi sur Vinted. Celui-là, ils vont me servir parce que je vais faire la déco des boîtes pour mon petit-fils. Je ne vais pas systématiquement utiliser les cartes parce que les cartes, elles sont trop grandes. Mais tous les stickers qu'il y a là-dessus, voilà. Donc comme quoi, on peut les utiliser. Et puis là, 6 ans, donc c'est plus dans ces trucs-là que. Ça, c'était ceux de l'année dernière. Ouais, celui-là, c'était celui de l'année dernière. J'en avais pris qu'un et je regrette bien d'en avoir pris qu'un. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez. Et c'est vrai que par contre, il y a de jolis blocs. Et alors, cette nana. J'ai pas fini. Je bois un peu de chicorée. Cette nana, elle a quand même plus de 1000, presque 2000 articles à vendre. Alors elle fait des lots. Il y a des blocs Action, de chez Action. Alors c'est bien joli de mettre des Décotime comme ça. Hein. Faut pas croire, hein. Décotime. Hein? Il est là, hein. On sait que ça vient de chez Action. Les 4 blocs ou les 4 blocs. Ouais, des 4 blocs. Alors je me rappelle plus ce que c'est comme 4 blocs. 13 balles. Il y en a, c'est 15 €. Eh ben, punaise, vous y allez pas le dos de la cuillère, hein? Croyez-moi, hein? Ah, je voulais dire, ah, excusez-moi, là, les nouveaux abonnés, mais moi, j'ai pour habitude de dire les choses. Hein. Ça, c'est quand il y a quelque chose qui me démange, ça sort, je le dis. Et là, je l'ai dit. Et là, c'est fait, c'est fait. Mais là, franchement, limite, il y a plus que de l'abus. Hein. Il y a plus que de l'abus. Parce que franchement, acheter et puis pour aller revendre après à ce prix-là, cocotte, tu regardes avant. Hein.
Moi, je les ai regardés, les blocs. Il y en a un que j'ai pris, un foncé. Parce que j'ai pris le blanc, mais j'en avais pris un autre, un foncé. Parce que je savais qu'il allait s'accorder avec un que j'avais déjà. Mais j'en ai pris qu'un. J'avais pas pris 50, j'aurais pu, hein. Non. Le rouge, c'est pareil. Je le voyais en vidéo. Ah, oh, il est pas mal, le rouge. Il est... Et puis finalement, quand je l'ai regardé dans le magasin, ben non, il m'a pas. C'est pas qu'il m'a pas accroché, c'est qu'il m'a pas inspiré. Il y a de jolis papiers, mais ça ne m'a pas inspiré, ni avec ce que j'ai. Oui, je sais, oui, je suis allée chez. Oui, enfin, bon, bref. On a rafistolé la toiture, bon, ben, la peinture, on l'a fait au mois de décembre. Hein. Voilà, là, oui, bon, ben, là, sinon, ça allait faire trop. Et donc, ça, moi, ça me rebute. Quand ce sont des vieux blocs, je veux bien, ce sont des vieux blocs qui datent de. Mais qui deviennent rares. Là, oui, ils sont rares. Alors, celui-là, oui, il est rare, oui, parce que c'est le Saint Graal, là, en ce moment, hein. Mais y a des blocs qui sont beaux, mais je n'irai jamais les acheter sur Vinted. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai acheté une fois un truc sur Vinted. À l'arrivée, il manquait des trucs, alors que c'était de ma faute, j'avais pas lu le truc, c'était marqué. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais négocié le prix. Mais bon, c'était la première fois, donc j'ai pas osé. Mais là, franchement. Non, là, moi, ça me rebute, ça me fout en rogne, ça m'énerve, ça me casse les... ce que j'ai pas. Voilà, ça c'est clair. Ça me casse ce que j'ai pas. Parce que, y en a qui les cherchent et qui ne les trouvent pas, qui n'arrivent pas à en avoir. Et il y en a qui les achètent et qui les foutent sur Vinted. Que vous les mettiez sur Vinted, ok. Mais soyez raisonnables, merde! 2,50 €, d'accord, c'est un maximum. Mais là, c'est le maximum, mais je vais dire, parce que bon, tu fais quand même. Voilà. Parce que si tu vas juste à Action pour te chercher tes blocs ou juste pour ça, non, 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 non. Moi, bon, moi, c'est moi, et les autres, c'est les autres, ça c'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec. Mais il est hors de question que j'aille acheter sur Vinted, c'est fini, quoi. Ou alors, ça vaudra vraiment que je connaisse la personne et que. Voilà. Si j'ai acheté à une youtubeuse et j'ai pas eu de soucis, d'ailleurs, et j'étais très contente de la réception. Coco, mais ce qu'elle avait à vendre, mais, malheureusement, j'aurais rien pris, mais lui aurait pris les choses, mais bon, ça m'était pas, ça m'était pas, ça l'aurait bien aidé, mais ça m'était pas. Ça m'était pas utile, quoi. Voilà, enfin utile. Disons que bon, j'avais déjà. Voilà, c'est pas que ça m'était pas utile. Je les ai déjà. Je vais pas les reprendre. Voilà. Ça, c'est comme si vous m'aviez envoyé des choses. Voilà. Et puis que, oh, ben, je vais les remettre sur Vinted. Par contre, je vais vous le dire, hein, honnêtement, celui-là, quand il est sorti, ah, j'ai galéré aussi pour l'avoir. Mais il y a une chute qui tombe. Ouais, c'est pas grave. J'ai galéré pour l'avoir, vous me l'avez envoyé. À partir du moment où vous me l'avez envoyé, alors là, j'en ai trouvé. Ah oui, honnêtement, je vais vous le dire, j'en ai 8. Pourquoi? Parce que c'est un bloc qui me plaît énormément. Mais j'en fous partout, moi. Qui me plaît énormément et qui va me servir. Parce qu'il y a un projet déjà en attente là, mais que j'ai pas fait. Faut que je voie pour faire le défi de Ludo, et ça je tiens à le faire, et ça je le ferai, mais bon, là, faut que je re-regarde, parce que j'ai pris des notes, j'ai pris des trucs, mais il y a un truc par rapport aux notes que j'ai pris, qu'il faut que je revienne voir sur là où je suis allé chercher le truc, pour voir, parce que ça coïncide, il y a un truc qui coïncide pas. Mais après, bon, voilà. Mais ça, c'est sûr que je vais le faire. Ça, je vais le faire, il me l'a demandé, je vais le faire. Voilà, donc comme elle est encore là, faut que je la mette dans un pochon. Comme Sandra qui m'a demandé de faire le défi là pour une carte pour Octobre Rose, elle vous a bien plu. Et puis ça m'a fait plaisir. Parce qu'alors, j'ai pris un plaisir à la faire. Et pourtant, moi, je suis pas carte. Hein.
Non, je suis pas carte. Bon, là, bon, c'était pas des cartes, c'est pas des pliages, c'est pas des ci, c'est pas des là. Bon, enfin, bon, parce que je suis pas carte, parce que bon, maintenant, on communique par Internet, on communique par le téléphone, des courriels, on voit, ben, entre nous aussi, on s'en envoie, des choses comme ça. Mais bon, bon, je veux dire, je suis pas trop, à part les concours, voilà. Si, ça m'est arrivé de faire d'autres envois, mais au tout début. Mais après, voilà quoi. Non, mais il faut arrêter quoi. Arrêtez les nanas. Et si ça ne vous plaît pas, laissez-le là où c'est, laissez-le pour les autres quoi. Celles qui le cherchent, qui. Ah, c'est impressionnant quoi. Et les trucs, les rubans, comme je vous ai montré, les rubans en velours, bon, y en avait d'autres aussi, d'autres rouleaux de rubans. Il n'y en a plus. Ah si, par contre, vous avez des nouveaux rubans dans le rayon loisirs créatifs, mais là c'est à Marmande. À côté de, là ils l'ont mis à côté de la laine. Alors vous en avez 6 mètres, je crois. Il y a du blanc, il y a du bordeaux, il y a un beige qui pourrait dire, on pourrait dire doré, non mais il est plus beige que voilà. Oui, ici en promotion, ça j'avais oublié de vous le dire, mais vous les avez en promotion cette semaine. C'est des nouveaux encreurs avec des tampons. C'est en forme de cœur. Vous en avez 8, je crois, dedans, il me semble. 8 ou un peu plus, je sais plus trop. Et y a ça qui était nouveau, mais après, j'ai rien vu d'extraordinaire, de nouveau, du moins dans le rayon loisirs créatifs, c'est banal quoi, c'est vraiment le truc, voilà. Après, qu'est-ce que je réfléchis? Si, il y a la laine velours, là, cette laine velours, bon, j'étais bête, j'ai hésité à en prendre, mais bon, je dis c'est bon, ça va, ça suffit. Là, j'avais besoin des boîtes, donc c'était où je prenais mes boîtes pour me mettre l'alimentaire, ou je me prenais la laine, c'était un choix. Donc le choix, il a été vite fait. Je vais prendre les boîtes pour l'alimentaire et puis la laine, je me la prendrai un peu plus tard. Voilà. Si, mais si elle a encore, et puis si elle n'a pas, il n'y en a pas. Et bon, c'est pas. Ça, c'est pas un drame. Non, mais là, ce qui m'a foutu en rogne surtout, c'est ce bloc et de le voir sur Vinted. Punaise, je dis, il n'y en a pas. Ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Ça, il n'y a pas ça. Ça, il n'y a pas ça. Là, y a plus ça. Ça, par contre, il y a des blocs que vous allez. Je les ai, non, je ne les ai pas là, j'ai dû les ranger. Ouais, j'ai dû les ranger, les blocs à 4. Alors là, c'est pareil. Là, y en a avec les biscuits, et puis celui avec le Père Noël qui est un peu vintage. Avec les biscuits, il y en avait encore deux à Marmande. Mais après, avec le Père Noël vintage, y en avait pas, il n'y en avait plus. Et pourtant, ils avaient rapprovisionné. Mais alors, par contre, des autres, il y en a. Et dans les blocs de Noël, les blocs 30-30 de Noël, ils remettent des blocs de l'an dernier. Voilà. Attendez, je bois un coup. Je parle tellement que. Ils remettent des blocs de l'an dernier. Bon, là, je les ai. J'ai surtout beaucoup de bazar. J'ai surtout beaucoup de bazar. Attendez, je l'ai, hein. Je l'ai, je sais plus où il est, parce que j'avais sorti un échantillon de chaque. Tu vas voir qu'il va être dessous. Cette espèce de counifle. Je sais pas. Je sais pas où il est. Et ça pèse, là, le bidule. Ouais, je crois que c'est celui-là. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Attendez, je vais vous le montrer. C'est celui-là. Et celui-là, c'est pas celui de cette année. Il n'est pas de cette année, hein. Et il y en a un, hein, aussi. Il y a beaucoup de choses que. C'est-à-dire que quand le truc, ils doivent le sortir, ils ont des ordres. Ce n'est pas les filles qui mettent en rayon ni quoi que ce soit. C'est de plus haut. À tel moment, eh bien, vous avez telle date pour mettre ça en rayon. À telle date, ils ont ça à mettre en rayon. Ils doivent, et c'est à eux de gérer après. Et tout ce qui était vendu, comme là, vu que je vous ai dit qu'il y avait ce bloc-là,
tout ce qui est vendu, et repart à la centrale. Donc, c'est stocké. Et l'année suivante, eh bien, ils reconditionnent et puis ils envoient. Voilà. Quand ils voient que. Mais là, il y avait là des blocs, je vous dis là des blocs, il y en avait à 30-30. Quand j'y suis allée la semaine dernière et que j'ai trouvé celui-là, il y en avait autant, autant. Il y avait deux piles, là, à l'arrière, non, il n'y avait qu'une pile. Mais à Marmande, il y avait deux piles comme ça. Alors, ça fait quand même un sacré paquet. Et dessus, voilà. Alors, le rose, enfin, moi, il me plaît pas. Hein. Déjà, Noël rose, voilà. J'en ai un que j'avais eu pris une année parce que je me suis dit peut-être ça servira plus dans le courant de l'année ou comme ça pour un fond, comme ça, des choses pour faire un fond. Mais me servir du bloc en entier, peut-être pas. Et sinon, voilà quoi. Il y a des choses, il y a des blocs qu'on a dans l'année et il y a des blocs qu'on a à Noël qu'on peut associer. C'est pour ça que moi je vous ai dit, le blanc, là, je l'ai pris. Et là, je veux m'en chercher d'autres. Je voudrais m'en trouver deux autres au moins pour l'associer avec ça. C'est celui de cette année pour l'associer avec celui de là qui date de 2 ou 3 ans, hein, je crois. 2 ans. 2 ans. 2 ans parce que j'étais ici, je crois, quand je l'ai. Quoique. 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 Je crois que même je les ai. Ceux-là, je les ai eus, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 5, oui, j'en ai 5 et un qui était bien entamé parce que je l'avais utilisé. 5, j'en avais 6, je crois, je sais plus. Ouais, à peu près. Mais vous voyez, c'est la case du fond là-bas. Hein. C'est la case du fond, hein. Pardon, là. Bon, si je remets les autres, oui, c'est sûr. Mais oui, quand j'en prends, j'essaye d'en avoir un double. De les avoir par deux, parce que bon, les feuilles, il n'y en a qu'une à l'intérieur. Voilà. C'est pour ça que, bon, après, voilà. Hein. Quand c'est des feuilles qui sont juste, il n'y a que le devant d'imprimé, mais que le recto n'est pas imprimé, j'ai pas besoin de. Et que c'est pas. Il n'y en a pas deux dans le bloc, c'est pas la peine de. Quand il y en a deux dans le bloc, c'est pas la peine que j'en prenne de blocs. Avec un, il y en a assez. On arrive à faire quelque chose avec. Parce qu'après, les blocs, on les accumule, on les accumule, on accumule des trucs, et voilà quoi. Là, franchement, mais quand je revois que c'est trois blocs, c'était 13 euros, 13 euros, et les autres, après, il y en avait 4, c'était 15 euros. Mais oh, Hein? Et, alors déjà, quand on compte 3 fois 4, ça fait 12. 12, ça fait. Oui, ben, tu vois le prix que c'est vendu, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Bon, écoutez, sur ce, je vais aller revoir ma. Oui, parce que je veux vous faire un truc. Donc, il faut que je revoie le système, parce que là, ça m'a foutu en rogne. J'en ai oublié à moitié. Et puis que je revoie aussi pour faire le défi de Ludo. Enfin, pour me faire un prototype. Un prototype, je vais le faire en papier, le prototype. Voilà, un papier ordinaire, hein, histoire de voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire une vidéo pour demain. Je vais. Une pour vendredi, si je peux. Enfin, ça dépendra de. Si je m'attaque au KGB, quoique le KGB sera vite fait. Voilà. Donc, parce que bon, il n'y a pas grand chose, je vais pas bouger là, je vais pas remuer la machine à laver ni le sèche-linge. Je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux. Voilà. Parce qu'il y a les déménageurs, comme ils me l'avaient installé, ça m'allait pas, ça n'était pas pratique. Tandis que là, comme moi je me la suis tournée, je me suis tourné les choses, là je peux ouvrir les portes sans problème. Et quand tu étais coincé, là que tu es là, tu es obligé de. Oui, enfin, bon, bref, oui. Oui, mais ça m'a vu. Je me démerde. Hein. Comme je vous dis, les meubles, ça ne m'a fait pas peur de les bouger. Je les vide. Je les vide. Voilà. Et puis, après, je les bouge. Voilà. Et là.
Mais alors, le frigo, j'en ai eu mon plein. Plein le. Voilà. Mais je l'ai bougé et là j'en ai trouvé. Mais alors, par où ça arrive, cette sale bête, j'en sais rien. De toute façon, j'ai ce qu'il faut pour traiter. Sinon, je fous tout en feu, moi. Hein. Je devrais être vite fait. Hein. Donc, quand même pas, parce que je serai dehors, quoi. J'aurai plus qu'à la voiture pour dormir, et petit-il, le pauvre couillon, il va être embêté. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, sur ce, excusez-moi de m'être emporté. Pour vous, les abonnés, pour vous qui venez en passant, mais par contre, celle qui a fait ça sur Vinted, ça, tu. Voilà. Il est fait. Voilà. Tu vas te faire. Voilà. Un papaouté chez les Grecs. Tiens. Bon, sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et puis, je vais vous dire à vous faire des gros câlins, des gros bisous. Et puis. À des chats dans une prochaine vidéo!